Pourquoi Groupama est ici aujourd'hui? C'était la volonté de Groupama aujourd'hui de diversifier son activité vers les artisans et les commerçants. Et aujourd'hui, la CAPEB, dans sa journée de présentation avec ses fournisseurs, a demandé à ce que Groupama soit partenaire. Et on a choisi d'être partenaire avec eux en mettant en place un trophée pour récompenser des artisans suite à un questionnaire qu'on leur a envoyé. Cette récompense, ce n'est pas une bricole, puisqu'on va leur offrir, remettre au premier gagnant, un chèque de 1 000 euros qui va être financé par Groupama Banque. Le deuxième gagnant aura un chèque de 600 euros et le troisième un chèque de 400 euros. Alors, les critères pour gagner, c'était basé surtout sur la capacité des gens à être en règle avec l'environnement, avec les normes énergétiques et aussi avec les normes anti-BAT et l'implication de ces gens dans la vie locale. Nous sommes heureux d'être présents pour cette deuxième édition, effectivement, puisque nous sommes partenaires avec la CAPEB. Et dans notre partenariat historique, c'était aussi notre devoir d'être présents à ce salon. C'est aussi pour nous, Groupama, de dire que nous sommes présents aussi sur le marché des professionnels, puisque 37% de notre activité se situe sur le marché des artisans du bâtiment. Plus spécialement sur la Manche, nous avons une équipe de professionnels à la disposition des artisans, donc une équipe de 8 chargés de clientèle avec un responsable de secteur qui sont à l'écoute et peuvent répondre aux besoins des artisans du bâtiment. Groupama Banque est la banque financière de Groupama et accompagne depuis 2003 les clientèles des particuliers. Et puis plus récemment, les clientèles des professionnels. Donc la banque a commencé sur les crédits aux professionnels de l'agriculture, puisque c'est le cœur de métier de Groupama. Et puis ensuite, le crédit a été ouvert aux clientèles professionnelles non agricoles et plus récemment aux collectivités locales. Alors le trophée, il est fait pour valoriser en fait l'engagement, la qualité des travaux des artisans qui travaillent alors ici à la CAPEB, évidemment sur le monde du bâtiment. On est très attentif à l'aspect environnemental et sociétal. Donc nous allons récompenser un lauréat qui répond à certains de ces critères et qui est surtout un chef d'entreprise actif et dynamique dans sa localité. C'est important à deux titres. D'une part, ça répond d'une volonté de suivre et servir ses clientèles qui sont les professionnels non agricoles. Et d'autre part, notre rayonnement est national et donc la présence de la banque doit se faire au titre de toutes les activités dans toutes les régions où sont implantées les caisses régionales. À bientôt sur tevie.tv.